Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Je suis allée chez Lidl ce matin et voilà ce que j'ai trouvé. Ceci de petits kits de jardinage. Donc visiblement ils ont une catégorie pour adultes. Moi j'ai choisi ici avec de la mélisse citronnée et de la menthe poivrée. Ainsi que des capucines et des tagettes citron. Ça, c'est le kit adulte, mais il y avait d'autres variétés également. Alors ça, c'est pour les kits enfants et j'ai choisi les mini concombres. Et celui-ci, c'est deux espèces, deux variétés de tomates cerises. Donc, on va voir c'est quoi la différence. Donc, je vais commencer avec les tagettes et capucines parce que on va voir un peu aussi ce qu'ils disent. Donc, c'est qu'à l'intérieur, en composition, nous avons deux capsules de fibres de coco, des graines de capucine et des graines de tagette. Alors, on va ouvrir ensemble. Alors, voici. Donc ça, ce sont les graines de capucine. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les capucines sont comestibles à 100%. Autant les graines, les feuilles que les fleurs. Donc, c'est beau et en même temps, ça pousse très facilement. Idéal pour des personnes débutantes, voire même expérimentées, parce que pour décorer, ça va très très vite. C'est magnifique. Et ici, les petites graines de tagette citron. Alors, effectivement, il y a deux petites boîtes, deux petits sachets, dans lesquels il y a de la fibre de coco. Et regardez, hop, carrément dans son petit contenant. Vous voyez, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Mais écoutez, on va commencer à mettre l'eau parce que ça prend un petit peu de temps pour faire gonfler tout ça. Moi, je privilégie de l'eau de pluie. Voilà, je remplis à son double, au double de la plaquette, pour voir un petit peu comment ça va aller. En attendant, on va le mettre sur le côté et je vais passer au kit enfant pour voir ce qu'il y a dedans. Pourquoi ça s'appelle enfant, kit, donc pour les enfants, et que l'autre, c'est rien indiqué, donc c'est visiblement pour adultes. Donc on va voir la différence. Donc je prends la petite boîte pour enfants. Ici, donc nous avons quelques petites graines de concombre Conny. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais on va tester cette année. Donc, et la deuxième, parce qu'il y a deux normalement, et les autres, ce sont des picolines. Donc, maintenant, je ne sais pas vous dire, c'est pas indiqué qui est qui, en fait. Bon, dans tous les cas de figure, on les mangera quand même. Mais celui-là, on dirait plus un cornichon, qu'un concombre. Hein. Mais bon. Alors, ici, ils indiquent qu'il faut remplir d'environ 350 ml. Donc, un peu plus qu'un verre d'eau. Donc, je n'en ai pas mis assez dans mon petit bac. Et qu'il faut à peu près 20 à 30 minutes pour que ça gonfle. Voilà. Visiblement, les semis des concombres doivent se faire à partir du mois d'avril. Bon, moi, j'ai pas envie d'attendre. Je les mettrai à l'intérieur. Par contre, dans les capucines, visiblement, celui-là, est-ce que je peux les semer maintenant ou pas? Ah ben voilà. Donc, les capucines, ainsi que les tagettes, je peux déjà les semer depuis février jusqu'avril. Donc, eux, il n'y a pas de souci, je pourrais les laisser en extérieur. Bon, donc, vous voyez que pour les enfants, comme pour les adultes, c'est exactement pareil. Je pense que dans les deux cas, les enfants pourraient le faire. C'est pareil, pareil, de chez pareil. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas le commencer de suite, celui-ci. Je vais le laisser sur le côté. On va remettre les cornichons à l'intérieur. Je ferai ça après. En attendant, je vais mettre de l'eau au second concernant mes capucines et mes tagettes citron. Alors, je vais... Allez, regardez, au bout de quelques minutes déjà, je vais vous montrer, regardez,
Déjà, comme ça a vraiment bien grandi, en fait, hein, par rapport à celui-ci. Vous voyez? Quand même, ça a quasiment doublé. Il y a encore un peu d'eau. C'est pas assez, donc je vais rajouter de l'eau. Voilà. Et celui-ci, je vais mettre directement la dose espérée. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, en même temps, en attendant que les terreaux se mettent en place, donc ici, donc dans celui-ci, il y a effectivement de la mélisse citronnée, ainsi que de la menthe poivrée. Très utile au jardin, la menthe poivrée, surtout à savoir que ça va prendre beaucoup de proportions. Donc l'idéal, c'est de les planter dans des pots et les mettre dans un coin de votre jardin à plusieurs endroits. Parce que les menthes poivrées, principalement, même au niveau à l'intérieur de la maison, c'est super intéressant parce que ça éloigne toute forme de rongeurs, soit les souris, les rats. Donc, ils détestent cette odeur-là. L'inconvénient, c'est que la menthe attire beaucoup de mouches. Ça, c'est le petit inconvénient. Mais bon. Et alors aussi, l'autre inconvénient, c'est que si vous ne les mettez pas dans des pots, ça va prendre de l'ampleur, ça va vraiment venir partout. C'est quasiment immortel, en fait. Hein. Ça se propage à une vitesse phénoménale. Donc, ici, pour la menthe poivrée ainsi que la mélisse, c'est de février à avril également pour les semis. Ils ont besoin de températures entre 15 à 20 degrés. Donc, l'idéal, c'est de les mettre un petit peu sous serre, quelques petits temps, ou alors à l'intérieur, près d'une baie vitrée. Et alors ici, donc, ce sont des tomates. Et ça aussi, donc, apparemment, de janvier à avril, on peut très très bien les semer. Vous voyez, c'est super sympa. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est ici, quand je vous parle? Regardez, c'est ça, super gonflé. Et ce qui est chouette, vous n'avez pas besoin d'avoir de pot. Les plastiques feront bien l'affaire. Bon, lui, il a besoin d'un peu plus d'eau. Alors, on rajoute de l'eau au premier. Voilà. Et celui-ci. Ah, regardez. Vous voyez? Regardez, ça s'émiette. Hein, c'est vraiment chouette. Je remets encore un tout petit peu d'eau. En même temps, je rince mes mains. Voilà, voilà. Ouais, ça prend vraiment bien. Donc c'est, voilà. Bah, ça a pris moins de 20 à 30 minutes. Hein. Bon, alors on va planter quoi là-dedans? Enfin, on va semer quoi plutôt? Alors, moi, je vais y mettre... Je suis fan des capucines. J'adore les capucines. Donc, je vais mettre ces capucines. Par contre, je ne sais pas si elles sont grimpantes ou rampantes ou arbustives. Ça, je ne sais pas, c'est pas indiqué. Apparemment, elles vont monter à 30 cm. Donc, elles sont plutôt un peu arbustives, on va dire ça comme ça. Alors, pour ouvrir, est-ce que sans ciseaux, oui, ça le fait. Zut alors, j'ai perdu une graine. Bon, ce n'est pas grave. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais les mettre par deux dans un petit trou. Je les mets par deux. Je vais en mettre 8 alors à l'intérieur de celui-ci. Et quand ça va prendre, je les changerai. Donc en fait, à la base, il y a 12 graines de capucine dans celui-ci. Alors, je vous montre. Voilà. Alors maintenant, je vais juste un petit peu les enfoncer. Et on recouvre légèrement. Donc voici mon premier semis de capucine est terminé.
près. Donc juste arroser quand même tous les deux jours pour que ça prenne de l'ampleur. Donc, sinon ça ne va pas grandir. Alors lui, il n'a pas très envie de gonfler là en fait. Ah, ça y est, ça commence. Il lui manque encore de l'eau. Ben dis donc, il en veut plus que l'autre. Alors on va encore devoir attendre un petit peu. On a la chance d'avoir une excellente journée aujourd'hui. Voilà. Je peux effectivement. Voilà. Ça se décompose. Alors pour l'étagette, il n'y a rien de plus facile. Hein. Pour l'étagette, on va ouvrir. Par contre, l'ouverture, ils auraient pu prévoir pour les gens qui n'ont pas forcément pris des petits ciseaux. C'est pas tout à fait évident. Mais bon, voilà. Les graines sont très petites. Comme il y en a ici. L'étagette, c'est très facile à semer aussi. Voilà. Je vais en prendre un tout petit peu que je vais parsemer. Donc voilà, je les ai regardés, je les ai parsemés dessus. Maintenant, ce que je viens faire, je vais légèrement les recouvrir parce que l'étagette n'ont pas besoin de beaucoup. Oh là là! Bonjour ma cookie! J'ai ma petite cookie qui vient nous rendre visite. Dit. Bon, bah écoutez, je crois que je ne vais pas pouvoir poursuivre le reste. Parce que quand mon petit chat est là, ça gratte partout. Entre-temps, les amis, j'ai eu une petite idée. Je me suis procuré un feutre qu'on utilise pour peinturer les verres, les vitres, pour faire des petits dessins dessus. Et je me suis dit que j'allais écrire directement sur les futurs bacs, directement, regardez, mélisse. C'est la mélisse citronnée. Celui-ci, menthe poivrée. Mais ça, je l'ai fait alors que j'avais déjà mis le terreau de coco qui avait déjà gonflé. Mais pour plus de facilité encore, tant qu'il est sec, on écrit dessus. À la limite, vous pouvez même rajouter la date. Et comme ça, au moins, on va plus se tromper sur ce qui va pousser. Donc ici, c'est le rouge, le red. Et ça, ce sont les tomates cerises jaunes, yellow. Voilà. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer les semences de mélisse citronnée. Et alors, les semences de menthe poivrée. C'est très très petit. Hein. Et il y en a pas mal. Donc voilà. Et bien voilà les amis, j'ai terminé ma vidéo. Et j'espère que ces petits conseils et cette petite vidéo vous donnera l'envie à votre tour de faire un petit potager chez vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout portez-vous bien et à très bientôt.